ragione che Luca. Aujourd'hui, avec l'ouverture solennelle de cette audience portant sur l'affaire bureau du procureur spécial contre Issa Salé, Adoum alias Bozézé, Ousmane Yaouba et Mohamed Tahir, poursuivis pour des massacres perpétrés à Ngondji, la Koundili et Lemouna, la Cour pénale spéciale est définitivement entrée dans sa phase opérationnelle, marquant ainsi le glas contre l'impunité. La soif de justice continuellement exprimée par nos concitoyens ne sera pas étanchée si tous ceux qui violent sans gêne les droits humains continuent de circuler en toute quiétude. C'est pourquoi l'exécutif, par ma voix, tient à informer l'opinion nationale et internationale que toutes les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire, ainsi que des violences sexuelles liées au conflit qui sont et continuent d'être commis sur le territoire national, feront systématiquement objet d'enquêtes judiciaires contre les présumés auteurs, co-auteurs et complices de ces crimes qui sont imprescriptibles.